play to win. I'm willing. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C. Diamond. Comment allez-vous? Moi, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. J'ai reçu un méga colis de chez Vipco Stitch. Merci à Ada pour sa confiance. Merci au site Vipco Stitch pour leur confiance. Ce colis va être en deux parties. Je vais vous montrer deux articles maintenant et deux articles 10-15 jours après quoi. J'ai sélectionné mes produits, je n'ai pas noté. Bon, ça a mis 10 jours, 10-15 jours, même pas. Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est une boutique spécialisée, comme vous le savez, dans les points de croix. Points de croix comptés, points de croix perlés. Elle fait des sacs. Des sacs, je ne sais pas si elle les a remis. Je dis peut-être des bêtises. Des têtes d'oreiller. Il y a du 9, du 11, du 14, du 18 et du 16. C'était, il me semble. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu qui part. Je mets des coups de mouchoir. Pardon. Donc voilà. Je retire les deux produits du sac et j'arrive. Voilà, je vous ai épargné le bruit. Alors, on va dire que ça va être spécial couleur. Explosion de couleur. Alors, j'ai remarqué, ils ont changé l'étiquette. Vous avez vu comment c'est écrit gros maintenant? Ouais, l'étiquette est plus grosse. On retrouve le numéro de la toile et le 11 de CT et le numéro de la toile. Alors, on a le toolkit de base. Toujours bien emballé comme d'habitude avec Shiyu, c'est comme ça qu'on dit, je crois, je sais jamais. La petite bague, l'enfil aiguille, notre petit pompon vert, dédicace pour ma petite Alex, et les 5 aiguilles. Oui, voilà, j'ai commencé, j'ai mis dans une boîte, j'ai fait du tri, les enfils aiguilles et les aiguilles ensemble, et j'ai gardé les petits sachets. Voilà. On va regarder le patron. Moi, je suis contente. Bon, l'image est un peu floutée, dommage. Mais quand j'ai vu cette image, regardez-moi ça. Cette magnifique jeune fille avec tous ses papillons multicolores, avec ses reflets de cheveux multicolores. Waouh! J'aime pas quand il plie l'image là. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli, moi je trouve ça très très beau. Comme d'habitude, le patron est grand. Alors, on va le déplier. On va regarder ça ensemble. On a toujours les explications ici. On passe vite fait dessus parce que la force, on sait. Elle a 44 couleurs quand même. Le patron est superbement bien imprimé. Je trouve pas ça trop confetti. Je m'attendais à pire. C'est assez bloc quand même. Je vous montre le patron d'un peu plus près. Peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Je vous montre. Attendez. On va mettre de la lumière. Voilà. 44 couleurs. Donc, regardez les symboles. Alors. Bon, déjà, il n'y a pas de rond rouge ni de rond orange. Parce que moi, c'est les deux symboles qui me perturbent énormément. Donc, ça a l'air d'être bien. C'est une 50 par 70.
a fait 191 points sur 278 points. Moi, j'aime bien parce qu'on a toujours la retranscription de l'image ici, pardon, et normalement sur la toile. Donc voici pour le patron, moi que j'aime beaucoup. Et moi je vais replier comme ça, j'aime bien voir l'image. Je vais mettre sous quelque chose. Qui pend, c'est le surjet, le fil. Je le couperai parce qu'il est long. Elle est très bien imprimée, mais elle est imprimée claire. Mais elle est très très bien imprimée. Regardez-moi ça. Je vous disais, toujours l'image retranscrite ici. Moi j'aime bien quand ils font ça. Je sais pas pourquoi. Ah mais magnifique. Regardez, c'est quand même assez bloc. Hein. Je vous montre un peu plus haut. Ouais. La toile est très très belle. On voit magnifiquement bien. Oui, je trouve qu'ils ont fait vraiment des efforts. Enfin, surtout ce vendeur-là. Après, c'est vrai que je choisis beaucoup de toiles sur ce vendeur. Je n'ai pas beaucoup de toiles Joy Sunday ou choses comme ça. Les Joy Sunday que j'ai, c'est beaucoup les toiles qu'on m'a offertes. Marion, Alex. Voilà. On va regarder les fils. Je vais tout ouvrir et je reviens pour éviter le bruit. Voilà, maintenant j'ai remarqué, ils mettent un élastique. Et de toute façon, je vais checker, comme ça je regarderai que tout est là. Mais déjà les couleurs, waouh, waouh, waouh. Les couleurs, l'arc-en-ciel. Vous avez vu un peu ce panel de couleurs. Attendez, je pousse un peu. Regardez-moi ça. Vous voyez bien ou pas? Peut-être que je vous montre un peu comme ça. L'élastique, je vais le mettre là pour pas le perdre. Et cette toile-là, que je vous dise le prix quand même. 50 par 70, pardon, moi j'ai marqué femme cheveux papillon. On s'était à 12,05 €. Il y a de quoi faire avec ces magnifiques couleurs. On va arriver sur. Là, on n'est que sur du bleu. Non, mais regardez-moi cette teinte de bleu. Superbe. On arrive là sur du marron. Là, on est sur du violet. Alors là, du rose. Après, on arrive sur du jaune orangé. Magnifique. Je fais attention parce que j'ai l'impression que c'est emmêlé. Hop. Regardez-moi ces jaunes orangés, les orangés là. Waouh. Violet. Ce bleu canard là, magnifique, du gris, du vert, du saumon. Attends, hop, je mets bien du gris, un rouge magnifique, encore des violets. C'est le 38-65. On a un vert
on me la pétant. Du marron, du rose. Ça aussi, c'est du vert tirant un petit peu sur le jaune. Le bleu. Encore du bleu. Du rouge. Encore du rouge. Et là, c'est un violet parme. Parme plutôt. Marron. Violet. Du orange. Alors là, j'aime beaucoup cette couleur. Magnifique bleu. Et des violets magnifiques. Alors attendez. Hop. On a cette cartonnette et cette cartonnette. Voilà. C'est très très beau. Je checkerai tout ça. Et je dirai en fin de vidéo si il me manque quelque chose ou pas. Voilà. On va les mettre comme ça. Je les récupère après. Changerai. Après, je pousse tout ça au loin. Et on va passer à la deuxième toile qui est un peu dans le même style. Regardez-moi cette panachée de couleurs. Je vous mets sur pause, je l'ouvre et je vous reviens. Voilà, je vous reviens. Alors, on pousse tout ça. Et vous avez vu un peu l'image. Dommage, l'image ne lui rend pas justice parce que sur le site, elle est vraiment plus vive que ça. Je vais essayer de la trouver avec ma tablette. Alors, attendez. Déjà, je la déplie. Regardez-moi cette beauté. Elle est super belle. Moi, j'ai beaucoup adoré ces couleurs. Je vais essayer de la trouver sur ma tablette. Parce que l'image ne le rend pas justice. C'est un petit peu dommage. Alors. Est-ce que je vais trouver ça? Normalement, oui. Hein. Mes mails, c'est ouf. Seconde, c'est un petit peu long, pardon. Ça va arriver, ça va arriver. Comme ça, je vais vous montrer celle d'avant en même temps, si je la trouve. Et bien, j'ai trouvé celle d'avant. Voilà. Peut-être la mettre en grand si on clique dessus. Non? Alors, attendez, parce que là, vous êtes dans le noir. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Peut-être qu'on la voit en plus grand, je sais pas. Non. J'ai pas ma tablette, elle rame. Alors. Je vous spoil pas avec. Ouais, bah c'est bon, j'ai trouvé. Elle est toute en longueur, c'est une 40 par 80. Et elle est au prix de 12,19€. Et là, elle est... je l'avais eu à 12,19€. Vous voyez, là, elle est à 12,25€. Ça peut varier de quelques centimes, en haut ou en bas, ça dépend. Vous voyez comment elle est magnifique. Ces tons de violet. C'est dommage que je ne peux pas la arrondir l'image. Que je clique dessus, ça marche pas. Elle est vraiment très très belle avec ses fleurs magnifiques. 40 par 80, une 11 CD. Voilà.
Alors, on va regarder le patron. Elle a 44 couleurs. Il n'a toujours pas des points rouges et des points oranges. Ça, c'est parfait. Elle a l'air un peu plus confetti que l'autre, mais pas vraiment beaucoup. On a toujours les explications ici. J'essaie de vous mettre bien les explications toujours en bas. Je passe vite fait dessus. Je vous montre l'impression du patron qui est parfait. On voit très très bien. Est-ce qu'il y a des symboles que je pourrais confondre? Non. Je vois bien. Par exemple, là, il y a des carrés roses. Et là, il y a des carrés roses avec des petits chapeaux. On voit bien la différence. Il y a des carrés verts et des carrés roses avec des traits. On voit bien les différences aussi. Toujours la retranscription de l'image ici en haut à droite. 44 couleurs, magnifique. Alors, moi je vais plier comme ça pour avoir l'image. Je vous la remonte parce que je suis en amour devant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. Alors, on n'a pas montré le toolkit. Je cherchais. Ah, la petite bague, elle a eu un petit accident. Elle est toute raplapla. On a toujours l'enfil aiguille, le pompon, les 5 aiguilles. Et la bague qui s'est fait. Ça, c'est pas trop grave. Et la toile qui est superbement bien imprimée, comme je vous disais, tout en longueur, en format portrait. Magnifique, magnifique. Ah oui, on voit très très bien. Très très bien. Vous avez vu tout en longueur, hop hop hop. Et elle a 39 points. C'est une 39 sur 79, il marque. Ou une 40 par 80, quoi. 147 points sur 320 points. Parce que je me disais 39 points, ça fait pas beaucoup. Je vous montre l'impression un petit peu vers le bas. Mais elle est quand même bloc. Hein. À part un petit peu par ici, un peu plus confetti, mais sans plus. Hein. Moi, ce que j'appelle confetti, c'est dans un carré, on change 10-15 fois de couleur. Que là, dans un carré, si on change 3-4 fois, c'est tout. Donc, voilà. Oui, je vous ai dit le prix. Hop là. Et on va regarder les fils. Regardez-moi ce panaché de couleurs. Je vous mets sur pause, j'ouvre, je vous reviens. Voilà, je vous reviens. Toujours avec un élastique. Je pense que maintenant ils vont faire ça. Comme ça, on a juste les prendre avec l'élastique. Non, mais regardez-moi toutes ces couleurs. Là, on est dans le violet rose. On va regarder ça. Et ben, pourquoi pas checker ensemble? Ça peut être bien. Alors, je vous place comme ça. Un petit crayon. Est-ce qu'il y a un crayon quelque part? Oui. Juste à côté de moi. Eh bien, on y va. On va déplier le 37-52. C'est OK pour moi. Je vais mettre dans la marge, là. Magnifique gris. 33-26. On voit bien les numéros du loto. 939.
117. Vous les voyez en même temps. 823. Un joli plus. Il y en a deux. Il y en a deux également. 554. Il y en a un 550. J'aime beaucoup ce violet 550. On le retrouve aussi beaucoup en diamond painting. J'en ai beaucoup. Peut-être vous mettre un peu plus comme ça. 415. Hop. 353. Là, on voit pas très bien. Il y en a deux, joli parme, 158, il y en a deux également, ah là c'est un peu mis, hop, voilà. 155. Il y en a deux. Je sais pas pourquoi ils mettent pas sur deux cartonnettes et qu'ils mettent une et une. Je sais pas pourquoi. 154. 38-63. C'est un marron. 38-63. Pardon. Là, c'est 38-53. J'ai eu peur, je crois que je ne voyais pas. Hop. 38-31. Un joli rose comme ceci. 38-30. Encore un joli rose. Ça, c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Que les numéros ne me disent rien. 37-70. Un joli beige. 38-53. Un joli bleu. 38-37-12. Un joli saumon. 36-06-08, pardon. Un rose. Hop. 33-28. Encore un joli rose. 30-46. C'est vrai qu'on les découvre comme ça parce que quand on les voit en tas, on ne voit pas vraiment les couleurs qu'on pourrait avoir. Alors là, on a du 951 et du 948. Ça se ressemble beaucoup. Voilà. 932. Un joli bleu. 921. Un joli marron. 926. Non, 826. Un joli bleu encore. 760. Je ferai pas ça à chaque fois, mais peut-être vous aimez pas, ça se trouve ça vous plaît pas du tout. Un joli rose. 352. Je crois que cette couleur me dit rien. Un joli saumon. 351. Les numéros ne me disent pas grand-chose.
Ça oui, 38-65. 38-38, j'ai déjà eu. Un bleu. 38-36 également. Encore, il y en a deux. 38-35. On en a quatre. Joli parme. 38-34. Encore un joli parme. On en a encore là. Et là. Voilà. Alors 38-06. 38-05. Des jolies roses. Et 38-03. Et je check. Et il me manque rien. Et moi, quand c'est comme ça, je mets OK ici. Voilà. Comme je faisais avec mon diamant painting. Tout est bon pour moi. Je checkerai l'autre. Après, hors caméra. Je vais faire comme eux, ils ont fait. Je vais tout remettre. Si j'y arrive. Avec le petit élastique. Voilà. Et je vais remettre en sachet. Tout à l'heure, on s'était 60 000, 5900. On s'était 60 000, 5900. Pardon, je suis hors caméra. Vous avez vu? Voilà. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui ne mettent pas la toile et les fils ensemble, mais ça m'étonnerait. Je pense que les points de croix, on laisse tout en kit et c'est peut-être plus facile pour retrouver. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je remercie encore infiniment Ada pour sa confiance et sa gentillesse. J'ai toujours mon petit code promo de 10% avec Vanestis. Je vous mettrai en barre de description. Je vous mettrai le lien du site, les liens des deux articles. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez les liens des quatre articles. Voilà, je remettrai les liens de tous les articles. Vous l'aurez... Quand vous verrez cette vidéo, vous pouvez dire que 10 jours ou 15 jours après, vous aurez la deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette petite vidéo. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous ai vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de faire une intro. C'est pas encore ça, j'essaye d'améliorer. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.